Self-défense avec une canne quadripode. Il s'agit d'un patient qui présente une hémiplégie depuis 1 an et demi. Il vient en rééducation pour améliorer son équilibre en position debout, sa commande motrice, pour lutter contre son déconditionnement à l'effort aérobie et contre les troubles orthopédiques, mais aussi, et peut-être surtout, pour se changer les idées, pour profiter de la bonne ambiance et de la bonne humeur de la salle de rééducation. En fait, le rééducateur doit se méfier de l'empathie. Il évitera de compatir sur le sort du patient. Il proposera certes des activités qui sollicitent la motricité et l'équilibre, mais avant tout, il faut mettre une bonne ambiance. Il faut donner au patient ce qu'il attend d'une séance normale, c'est-à-dire un peu de joie. La technique martiale que nous allons voir dans ce film permet un travail de l'équilibre et de la coordination sous forme attrayante et ludique. Il est important, après 1 an et demi de handicap, d'apporter à ce type de patient un peu de joie, d'innovation, de folie, un petit grain de fantaisie dans les salles de rééducation. Ne pas oublier le vieil adage du professeur Michel Salmon, un kiné triste est un triste kiné. Vous avez une arme blanche. Voilà, j'arrive et je vais vous frapper. Oui. Donc vous attrapez mon membre, bien m'attraper, et vous tournez. Oh. Donc, on refait ici, par exemple, à ce niveau-là. Je vais vous rentrer. Ah non, pas là. Hein. Avec mon couteau énorme, mon énorme couteau, je vais rentrer dans le ventre. Ah non, vous attrapez et vous tournez. Oh, je fais mal. Hein. Ah non. Ah. On refait, pareil, pareil. Allez, ça va quand j'avais une porte. Là. Tournez. Oh. Alors je tourne dans le sens de l'articulation. Ah, il y a deux sens. On refait dans un sens et dans l'autre. Là, c'est pour faire tomber ici. Attention. Et là. Est-ce que vous avez une zone de risque, monsieur? Ah oui, dans l'autre sens. Dans ah, toujours dans le même sens. Et un coup dans l'autre sens maintenant, pour vous faire tourner de l'autre côté. Bon. Oh. Voilà. Et maintenant, vous allez m'achever quand je suis au sol. C'est-à-dire donner un coup. Une fois que vous avez fait tomber, vous allez achever. On y va. Allons-y. Voilà. Et là, vous achevez. Dans la tête, dans la tête. Allez-y. Faites comme si vous alliez me donner. Alors là, je vais vous prendre ouais, au milieu, comme ça. Tchoc. Vous tapez carrément. Vous non, tapez. Non, je vois pas. Tchoc. Voilà, comme ça. Ici. Alors, je vais prendre un coussin pour que vous puissiez frapper franchement. Voilà. Allez. Pareil. Je vous frappe. Je n'ai pas la présence, donc suffit. Ah, et maintenant, vous frappez. Voilà, très bien. Pas trop mal, mais essayez de frapper un peu plus fort. Voilà, très bien. Tenez fort, et voilà. Et voilà. Et voilà. Très bien. Très très bien. Alors, vous reprenez maintenant, frappez par-dessus. Essayez de voir ce que ça fait. Ça, c'est par-dessous. Ça, c'est par-dessus. C'est vrai que par-dessus, j'ai l'impression qu'il y a plus de force. Mais voir. C'est fini. Voilà, pas mal. Un peu plus fort. Voilà. Très bien. Encore. Attention au recul. Ça, par-dessus, c'est moins bon. Par-dessous, c'est mieux. Vas-y voir. Un coup direct dans les parties. Dans la boîte. Oui. Oui. Allons-y encore. Oui. Oui. Maman.
marchez maintenant tranquillement. Allez-y, on va marcher tranquillement. Soudain, un affreux gorille arrive. Allez-y. Soudain, hop. Allez-y, remarchez tranquille. Ah, ça fait plaisir. Ah oui. On y va encore. Ça fait fou. On y va. Nouvelle marche. Nouvelle technique de l'indication de la marche. Et voilà. Donc cette canne, elle est en titane, c'est ça que vous... C'est du titane. C'est du titane. Et vous l'avez eu comment, cette canne? Sur le net, sur handicap.com, je crois. Je suis pas sûr. Donc mais vous l'avez eu par internet. Donc, C'est moi qui l'ai choisi, mais j'ai mis beaucoup de temps à le choisir. Et donc de ce fait, elle est très légère. Elle est légère, elle est très rigide. Très rigide et légère. Ouais. Le principe des armes à feu. Les armes à feu maintenant sont en polymère, en carbone, donc très légères, faciles à dégainer. Et en combat, il faut une arme, un canon court et très légère. Donc j'ai repris le même principe. Et c'est très bien. Vous pouvez remarquer la forme de la crosse. Elle reprend exactement les crosses de revolver. C'est-à-dire avec un chausse qui évite qui est fait pour encaisser le recul. Là, on encaisse bien le recul de l'arme. Et en plus, on peut mettre l'index et le pouce pour bien encore plus de stabilité. Très bien. De l'assurance, c'est ça, oui. Donc, on a même envie de frapper pour de bon. Très bien. Alors, un, on salue. Alors, on se tourne vers la droite. Sayonara. Sayonara. Ça, tu vas en avoir. On se tourne vers la droite. Et toi aussi, tu vas en avoir. Voilà. Et on fait maintenant dans le sens horaire. Donc, on tourne en sens horaire. On tourne et on frappe. On chope le bras. Voilà, il est par terre et on frappe en bas. Un coup à droite aussi, l'adversaire qui arrive un peu vers la droite, on le regarde, on tourne, sans attraper la chose pour le bon. Ça doit rester virtuel. On tourne, à droite toujours. À droite, et il est par terre, on le frappe. À gauche, pareil, toujours dans le sens horaire, on frappe à gauche. Allons-y, non, sans bouger les pieds. À gauche, ici là. Voilà. On tourne dans le sens horaire ou anti-horaire, horaire. Il est au sol, on le frappe. On se retourne complètement. On se retourne par là-bas. Là, on peut utiliser la canne pour se retourner. On se retourne complètement. Voilà, les pieds complètement vers la fenêtre. On tourne encore. Encore, il faut encore tourner les pieds. Encore tourner les pieds. Voilà. Maintenant, devant. Anti-horaire cette fois-ci. Oui. Allons-y. Voilà. Et on frappe quand il est au sol. À droite et à gauche. Pareil, même chose. D'un côté. Et on frappe. C'est pas évident, ouais. Et à droite aussi. Ouais. Et on frappe au sol. On revient devant. Voilà. Et on s'allume. Si tu as voulu en avoir, maintenant on a eu. Voilà, très bien. C'était très bien. Merci, bravo. On peut se rasseoir. C'est bien. Merci. Ça vous a plu? Ah oui, c'était...